Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dégustation GoPro. Regardez-moi ça, ce Big Burger. Alors, c'est normal, j'ai déjà croqué dedans parce que j'avais... Je mets mon doigt sur le micro comme un gros fils de pute. Avec lui. Il s'est passé un truc de fou. Ouais, le truc, c'est la vie, vous savez. Donc les amis, d'abord, bismillah, et je vais vous expliquer un truc de fou qui m'est arrivé. Bismillah. Et ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Quand t'es en vélo, que t'es dans une descente, tu vas vite, logique. Et en gros, près de chez moi, il y a une assez grosse descente, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous jure, c'est un trou noir là. Je pense ma tête, elle a claqué trop fort en fait. Il y a la serviette qui s'est envolée, il a la flemme d'aller apprendre. Il fait même pas ouvrir le feu. Ouais. Ta tête a trop claqué. Elle est longue cette vidéo. Heureusement que le montage existe. Heureusement. Bon. Ça y est, arrête de manger. J'ai failli mourir. Très clairement, je pense avoir failli décéder. Non, en vrai, ouais. Parce que ma tête aurait pu. Bref, en gros, je suis tombé en vélo. Putain, pourquoi j'ai pas commencé par là? J'allais en descente, tu vois, genre, mais, comme ça. Il faut que j'arrête de rigoler, par contre. Ouais, parce que t'es pas drôle. Bah, je rigole à tes blagues, ça fiche de plus. Ah, je fais des blagues, moi. Putain, elle est longue, ma frite. Comment ils font les youtubeurs dégustation, mec? Moi, j'ai trop faim. Demande à Hydrox. Hydrox, sûrement, tu le fais, gros. Non, mais lui, il boit. Ah, il boit. Dédicace à toi, Hydrox. Il y a moyen, je vais aller chercher ma serviette parce que j'ai un peu, voilà. Vous avez vu, il fait tout bouger ce fou. Bon, j'étais dans une descente. Et je sais pas pourquoi, mais mon vélo, genre en une demi-seconde, il s'est retrouvé à côté de la bordure. Et vous-même, vous savez que quand vous êtes juste à côté d'une bordure et que vous tournez un peu trop vers la bordure, tu tombes. D'office, tu tombes. C'est pas possible de se rattraper. Genre, mon vélo, il se cogne contre la bordure. À pleine vitesse, faut pas. À pleine vitesse, ouais, ouais, on était pas en mode de 10 km/h là. Non, au moins 30-40. Ouais. Au moins 30-40, c'est en pleine descente. Vraiment. Et du coup, mon réflexe, je me suis vu, j'ai vu, bah, je contrôlais plus trop mon vélo, il allait trop vers la bordure, j'ai freiné, mais vraiment fort, tu vois. Parce que je savais qu'il fallait que je freine pour. Parce que tu vas pas accélérer hein, pour amortir. Pour ouais, voilà, amoindrir les dégâts. Enfin, je parle bien français en vrai. Il me faut 5 ans pour trouver les mots. Il n'y a pas de crédité, j'ai oublié d'en prendre, j'ai le seum. Ah ouais, j'ai pas eu ce qu'on mangeait. Je change les conversations tout le temps. J'ai pris 2 cheeseburgers, un coca. En plus, on a une frite, une sauce brésil. Lui, il a pris un cheese, ouais. Crudité, mes couilles. Et une brochette avec un coca. Parce que le coca, évidemment, c'est la meilleure boisson pour manger, très clairement. Ouais, mais c'est mon Lipton, mais comme ça, en mangeant moi. Mais clairement, le Lipton, tu le vois, frère, en 2 gorgées, le truc. Bah voilà, j'ai freiné. Enfin, ça a été tellement vite, les gars. En gros, mon vélo, il est tombé avec moi, je pense. Ah ouais. Ouais, il est tombé avec moi. Je l'ai remonté, mon vélo. Ouais. J'ai dit, mon crâne, il s'est fracassé trop fort. En vrai, ça aurait pu être plus pire. Parce que j'ai eu le réflexe de. Bah, le réflexe que quasi tout le monde a, je pense, c'est de faire une roulade, tu vois, quand tu tombes, que ce qui se cogne, ce soit tes jambes et pas ta tête. Logique, c'est un réflexe de base, en vrai. Heureusement pour moi, parce que. T'aurais pu y passer, en vrai. Ouais. Le truc drôle aussi, mais ça m'a pas fait mal, mais c'était marrant. C'est qu'après être tombé et mes jambes, elles se sont claquées contre le poteau, je suis tombé dans le ravin. Parce qu'il y a une sorte de petit ravin, tu vois, et je suis tombé dedans. Ce qui est marrant, c'est qu'on en rigole en vrai. On en rigole, mais j'aurais pu vraiment me faire très 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 mal. Et vas-y, j'ai 2 petites blessures là, parce que c'est les fils barbelés, tu vois, en me relevant. On s'en bat les couilles, tu vois. En gros, j'ai que ça comme séquelles. J'aurais pas mieux pu finir, je pense. Oh, comment ça peut voir? Non, vraiment? Bah, il y a des gouttes. Au pire, on peut. Parfait. We are protégés. En vrai? En gros, c'est tout, j'étais en pleine vie. Sur mes cheveux. C'est quoi? Une coccinelle noire et jaune. Mec, ça vient d'Afrique? Je? Non. Voilà, j'étais en pleine vitesse, je me suis pris la bordure, j'ai failli décéder. Et finalement, je m'en sors juste avec 2 trucs comme ça, donc c'est super bien. Vraiment, c'est carré. En vrai, je fais le type, mais elle tremblait de ouf mes jambes. Je pense que c'est l'adrénaline. Voilà, sinon, bon appétit pour ceux qui regardent. C'est vrai que les frites, c'est bon. Ah, vous vous souvenez, l'autre fois, il en avait pas pris. Ah, je me suis pas rendu compte que j'ai oublié. En fait. J'utilise quand même une GoPro, donc du matériel professionnel, pour faire une vidéo de dégustation. Santé. Ramasse-le, t'es plus près. Ouais, t'inquiète. Regarde ce que je viens de me faire. Oh, tu t'es mis de la sauce. Regardez-le. Est-ce qu'on peut dire que je suis dans la sauce? On va arrêter de le filmer. En vrai, c'était bien trouvé, garçon. Du coup, le titre, ça sera quoi? Dégustation friterie plus story time. Ça y mourir. En vrai, les gars, vraiment, heureusement que j'enregistrais pas parce que je pense que la GoPro, elle aurait pris très très cher. Et je vous jure que c'est pas du troll parce que je troll beaucoup, c'est vrai. Je vous jure que ce n'est pas du troll, vraiment. J'ai vraiment failli mourir là. En vrai de vrai, peut-être pas quand même. Mais pas mourir, mais. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un caillou sur le sol et que. Non, mais si tu te prenais, genre, t'avais pas le bon réflexe parce que ça peut aller, les chutes comme ça. Tu te prenais la tête, t'aurais pu être en coma ou un truc ainsi, t'aurais pu avoir un traumatisme, un truc ainsi. Parce que les gars, on le répète, c'était à pleine vitesse. Hein. Heureusement, j'ai le réflexe de bien freiner, de faire la roulade. Et pour vous dire, on a rattrapé une voiture, genre. On descend, on a rattrapé une voiture, genre. Ouais, la voiture.
voiture, elle est au moins à 30. Peut-être à 30-40. Moi, je dirais 35. On était à 35. Sans casque, hein, je le précise. Pour ça, en vrai, c'est là que je m'en rends compte qu'un casque, c'est quand même important. Parce que, bah, en vrai, t'as un casque, tu tombes comme ça. C'est qu'on se dit, c'est ok. Ouais, c'est des petites distances qu'on fait. On va à la friterie, on va rien avoir, tu vois. Mm. Mais c'est souvent dans les trucs ainsi qu'on a des choses. Bon, l'excès de confiance en mode, bah, c'est bon, c'est à côté, on s'en bat les couilles. Ouais. Les gars, c'était dans ma rue quasi. Genre, j'aurais pu vraiment me fracasser le crâne et mourir comme un con. Bref, les loulous. Protégez-vous. J'ai pensé à autre chose. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, même s'il fait rien, on s'en bat les couilles. Ouais, j'avoue. Abonnez-vous surtout à ma chaîne, bientôt les 10K. Faites attention à vous. Et aussi, il n'y a pas Blue Fortnite. Twitch, live tous les soirs quasi. Ciao les gars. Attends. Attends. Oh, il était nul.